comité de surveillance citoyenne qui pour aller en appui avec la droite, avec APL, dans le contrôle et surveillance, ça va rentrer dans le pays. Nous tous trouvons des mouvements commencés, qui ont arrêté les gens qui ont venu avec Sam, avec munitions, mais nous avons ça campé. Faut que les citoyens mettent des chèques dans ça. Pour aider à contrôler Sam et munitions qui ont campé, viennent tuer petit nous, madame nous, famille nous. Comité que nous proposons d'arriver, comité de surveillance citoyenne, qui a bien pour voyager dans le port, aéroport, douane à frontière, pour nous fermer les robinets, armes et munitions. D'après des grandes compagnies de téléphonie mobile, nous avons bataille contre l'insécurité. Parce que le pays qui a avancé, il y a une façon de contrôler la communication mafieuse qui a fait à travers. Téléphone, réseaux sociaux, qu'on a tel doué, les mêmes grands engagements pour qu'on qui ça y a fait en Haïti, comment y a promouvé le banditisme, la criminalité à travers le pays. L'autre démocratique, ouais, elle fait appel à venir en Haïtien, y a fini et y a qu'à aider. Dans la coopération, ambassade a venu pour aider nous, pour dire nous comment on a aidé à faire des robinets à la caillou, pour nous faire des robinets à nous-mêmes, la caillou. Nous avons conclu pour nous dire. Avec l'aide de la presse, des institutions régaliennes de l'État, dont le CONATEL, Organisation de défense droit monde qui veut tout connaître, tout le monde veut connaître que sécurité a, c'est dénominateur commun nous tous, c'est qui gros bien nous lié. Par conséquent, c'est en pile d'amour pour FADH là, en pile d'amour pour PNH là, en pile d'amour pour le monde qui a bataille pour sécurité retourner en pays. Let's faire plan ça, adopter au moins. Une structure de réinsertion. Parce que tout petit monsieur qui a nommé, qui a terrorisé la population aujourd'hui, n'a pas obligé de mourir. Qui est obligé à apprendre le métier. Qui est obligé de réinsérer dans la société. N'a pas fait ensemble plan de désarmement sérieux à plan de réinsertion sérieuse que le pays a besoin pour être capable d'avancer. L'ordre démocratique pensait enfin que une institution, une recommandation que nous reprenons comme citoyen et citoyenne, journaliste qui l'a, avocat captain, juge, médecin, mécanicien, toute couche confondue de professionnels, je dis à nous voir les yeux nous rivés sur la police là, à force là, mais. Parce que l'autorité n'a pas gagné intérêt dans la sécurité, elle est capable de pas gagner moyen. Mais nous-mêmes, parce que nous desservons l'État, nous connaissons au niveau de la DGI des possibilités pour l'État, non seulement on tire le redressement fiscal, pour nous joindre l'argent pour acheter au moins deux hélicoptères de combat pour la police et la force de l'armée de l'homme. Non, redressement fiscal. Dans le redressement au niveau de la douane, nous sommes capables de jouer de l'argent pour acheter un hélicoptère à drone. Dans le corps CONAD, CONAD c'est la Commission nationale de la lutte contre la drogue. Il y a un bureau qui est bas force. On parle à deux, trois anciens ministres de justice. Ils disent oui, il y a une possibilité pour nous jouer un corps en deux CONAD pour acheter deux hélicoptères de combat drone. Qui va permettre la police là travail. Nous-mêmes, en dans l'autre démocratie, nous pas venir proposer seulement, nous venons agir. Nous proposer que couche professionnelle que nous avons dit là, avec 10 dollars, avec 20 dollars, avec 100 dollars, avec 1000 dollars, préparer pour nous rentrer dans le combat pour sécurité retourner en dans le pays. Et l'autre démocratique, à proposer
nous en pour parler à OBC pour nous garder comment tu as gagné un compte institution l'État a créé pour nous qui voulait contribuer, venir contribuer pour la police à des moyens pour faire face à l'usage. Et nous-mêmes déjà, nous prenons engagement. Une fois information, nous finaliser le processus long, l'ordre a contribué à hauteur de 5 millions de gourdes comme un jeune parti politique. Dans le fond, ça qui va permettre la police, là, l'armée, l'État haïtien capable d'acheter hélicoptères, drones avec un soutien, pendant que nous-mêmes, pour contribuer, nous sommes capables d'avancer. Pablo dit, sécurité, ces affaires nous coupent. Merci en pile pour même les journalistes qui l'a appris la première information. Nous voulons espérer que vous-même tout, vous mettez main pour nous avancer. Merci en pile. Quelle que soit classe, rang ou accouche nous abandonner notre société, nous avons besoin pour nous capables vivre en paix. Frères et sœurs haïtiens, haïtiennes, qui attendent, qui regardent nous, journalistes, avocats, machin pistache, machin dans le poids de boussard, qui attendent nous, qui regardent nous. Question de sécurité, ça, qui s'est bien pour nous, on a tout le monde, en bas. Pas y a un jour qui a passé pour nous voir, c'est le monde qui a fait. Femmes, garçons, tirs. Moun y a kidnappé, décapitalisé famille, toutes sommes occupées par des gangs, famille a couru, monté, descendre, caillou. Autorité nous ont obligé à cacher dans l'hôtel, y a dormi dans l'hôtel. Petit pays à l'école. Qui fait université, qui apprend métier, obligé à fider à leur pays étranger. Désespoir sur tout visage nous. L'église qui a commencé à fermer parmi l'église baptiste de la rue de la Réunion. L'école a fermé les portes. Machin n'a pas à l'activité. C'est une population qui est généralement traumatisée et terrorisée. L'ordre démocratique constaté par les grâces actions que le gouvernement ça les prend, sinon que zéro action, pour faire face avec Zach banditisme qui a fini avec la population. Et une seule action pour être ça a fait. C'est écrit pays étranger pour demander une intervention militaire musclée en Haïti. Et nous tous, nous connaissons qu'il y a des gens qui mourent, assassinés et kidnappés pour justifier la nécessité d'intervention militaire. Mais réponse-là, pays étranger ou dit, Haïti, pas priorité, c'est nous pour résoudre le problème. L'autre parvient devant la presse. Je vous dis, il va venir parler à la population pour venir plaire. Mais experts nous en matière de sécurité, chita ensemble pour discuter et garder qui ça est capable de proposer. L'ordre démocratique rentrer dans les marches pour le proposer. Le sommet d'État de deux jours sous question sécurité nationale pays. Sommet qui a réuni qui est-ce? La réuni, moun qui a dirigé la police à l'armée, nous-mêmes, ça nous-mêmes nous relèvent dans l'ordre démocratique, yon CSPN et leur J. Les nous réunis, ancien directeur police nationale, avec ancien commandant unité en force de l'armée, nous-mêmes, dont Léopard. En tant que sommet, ça, l'autre prévoit pour nous réunir avec l'ancien premier ministre. Parce que tout a dirigé CSPN, il a gagné de vérité sur la question de sécurité intérieure pays. L'autre démocratique pensait
pour question continuité et la paix en manœuvre de l'État, nous devons inviter à Chita en dans CSPL, en dans sommet ça, secrétariat général parlé national, secrétariat général primature, secrétariat général parlement et secrétariat technique CSPJ, on dit bien pour la continuité et la permanence de l'État. L'autre démarche que nous entreprenons déjà, que nous avons écrit OPC, pour demander à cette OPC qui a mené qu'on va pour faire nos chita sur question sécurité pays. Et avec OPC, nous avons continué le travail pour ça rendre possible. Parce que nous voulons pour le rôle facilitateur ou médiateur dans ça qui nous a traversé. En dans sommet, nous avons représentant société civile, droit de l'homme, représentant magistrat, AZEC à KAZEC, parce qu'il faut que nous pensions à monter dans toute région, ça nous a loué le Conseil supérieur sécurité municipale. L'ordre démocratique pensait et recommandait que Conatel, capable de joindre avec compagnie de téléphonie, Digicel et Natcom pour intégrer la bataille contre l'insécurité, parce que le téléphone aujourd'hui, c'est une grosse âme liée dans le même monde. Architecte qui a tracé plan insécurité, ou du moins ingénieur qui a construit insécurité dans le pays. Nous croyons que le plus gros invité qui doit gagner dans le sommet, c'est le vétéran. Vétérans haïtiano-américains, canadiens, chiliens, salvadoriens, haïtiens qui sont petit Haïti, qui ont servi dans la force l'armée étrangère et qui ont servi dans la force police étrangère pour venir mettre connaissance au service de nous en contact avec plus que 1000 au niveau de l'ordre qui est New York, qui est prêt pour venir aider le pays. La démocratie pense dans le deuxième jour. Nous devons inviter l'ambassade. L'ambassade, nous avons une proximité avec nous comme pays amis. Pour nous, pour venir partager l'expertise avec nous en matière de lutte armée contre les guerriers. Et pour nous aider nous à fermer le robinet qu'a envoyé ici en Haïti, ZAM et munitions. Qu'a fait une douille petit pays. Le nous sommes sommés, ça, peuple haïtien, a connu. Nous n'avons pas le droit de faire confiance à Mounsayo qui a dirigé parce que y a bien intérêt dans l'insécurité. Tant que nous avons mouru, nous avons kidnappé, pas d'élection. Et tant que pas d'élection, il y a prêté sous pouvoir. Pour ça, peuple haïtien a fait pression sous dirigeant Sayo pour un décréter un état d'urgence sécuritaire sur tout le pays. Au moins pour 2 à 3 mois qu'a fini. Établir au niveau de société civile, ça l'est commis dans ce que les sénateurs dans le monde. On a dit dans le rapport que nous avons fait pour démontrer. Est-ce qu'il y a volonté pour la sécurité dans le pays? Qui est l'autorité qui a des liens avec le voyou en la société? T'es bien mon vidéo à attaquer tout ça. Et c'est ça exactement la vie que je vous dis. Lorsque il y a une connexion entre les gens qui ont pris une décision et les gens qui ont fait des audios, c'est sûr, nous ne pouvons pas récolter l'autre bagaille que ça nous est aujourd'hui. Deuxième réponse, qui simple. C'est la volonté politique. Moi, je dis dans le là, et je dis, l'autorité nous qui là, pas gagné intérêt dans la question de sécurité. Je vais hier soir, une autorité qui dit, zone ça, son zone perdue. Et c'est le numéro 2 dans la chaîne de responsabilité qui gagne pour la sécurité à la population. Donc, c'est pour vous dire, lorsqu'il n'y a pas de volonté politique, ou lorsque il y a un terrain entre autorité avec bandit, c'est ça pour joindre vos résultats.
aussi simple que ça.